Bonjour à tous, nous voici à nouveau présents pour une nouvelle édition des Français en Birmanie. Alors là maintenant, on va prendre un pick-up pour censé rejoindre le lac qu'on essayait déjà d'atteindre hier. On nous a dit, ça va, payez 5000, mais 5000 c'est cool, 5000 vous avez un pick-up, avant c'était le train, c'est pas pareil. Voici notre pick-up, hein, voilà, magnifique, on est dans un fourgon à marchandises, c'est super. On était censé partir à 10h, le mec s'est pointé à 9h30. Putain, j'ai pas pu prendre ma douche. Il a fait un petit tour de quartier, il s'est posé, il a fait « Oh bon, c'est le temps pour un café et un thé ?» Bon, ok. On est parti, il a refait un tour, il est retourné se poser au même endroit. Et là, on est retourné encore nous poser encore à un autre endroit qui est exactement le même que tout à l'heure. On verra ce que ça va donner. Et nous voilà à nouveau embarqués sur notre camion après avoir fait 5 fois le même tour pour faire divers livraisons et cargaisons. Nous sommes enfin partis sur la route pour le lac. La route du lac, c'est quoi? 30 km? 30 km, c'est rien. Sauf qu'en fait, on est sur le FedEx de Birmanie. Et le FedEx de Birmanie, il s'arrête toutes les 5 minutes. Et là, nous sommes arrivés dans un nouveau boui-boui où on fait des décharges et décharges. Et on va bien voir où nous emmène la suite. À tout à l'heure. Eh bien, nous voilà arrivés dans notre nouvelle auberge. Contrairement à la précédente, au moins ça ne ressemble pas à une ancienne prison du bloc de l'Est. Hein, c'est plutôt cosy. À savoir qu'on va quand même dormir à deux personnes avec Gwen là-dedans. Pas le choix.
Pour ce qui est de Sandra, elle va dormir ici, à même le sol. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Et là maintenant, je m'apprête à prendre ma douche, ici même. Voilà, voici notre réservoir d'eau, voici la petite bassine qu'il faut s'asperger avec pour la douche. Y a pas mieux. Donc c'est cool. Eh oui, par moment il faut aussi faire sa lessive. Et quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Alors, comment ça se débrouille les filles? Bah écoute, ça se débrouille. Putain, l'eau est sale. J'ai pas le choix. J'ai essoré les freins, ils sont rincés après. Oh, non! On a les pieds dans la flotte là, ça glisse oui. Pas mal. Ouais, d'ailleurs, j'ai 2-3 caleçons sales, ça vous dirait pas non, de vous en occuper? Bah, sérieusement. Aujourd'hui, réveil. Pour changer, on a le droit à des petites confiseries, pâtisseries et pancakes. C'est agréable. Un petit mot à dire? Bite. Ce matin, mec. Bite. Bite, bite, bite. Bite. Caca, chier, couille. Merci les birmans. Aujourd'hui, petit déj au réveil. On a eu l'amabilité de se faire servir de riz par nos amis les birmans. Peut-être qu'il y a un message derrière. On n'a pas encore su l'analyser. Sandra, l'analyse du caca, la pro, n'a pas non plus trouvé le message. C'est solide. C'est peut-être une sorte de constipant pour nous aider à favoriser les cacas boudins. Qui plus est, à défaut d'avoir la visuelle, ça n'a pas le goût. Alors, à défaut d'avoir trouvé une cérémonie de naissance ou encore un mariage bien heureux, nous avons été invités à une cérémonie de funérailles. Étonnamment, tout le monde est content. Il se balade actuellement avec une sorte de stèle et le but c'est de faire des pogos avec. Ils arrêtent pas de faire n'importe quoi, ils se poussent dans tous les sens. Et, mais regardez-moi ça, on dirait que le but c'est d'essayer de faire tomber les autres, quoi. N'importe quoi. Ah mais le truc va se péter la gueule maintenant. Ils sont dans tous les sens. Alors, là maintenant ils sont en train de s'amuser avec le cercueil. Hein. Ouais, c'est bien le cercueil. Hein. C'est une façon un peu conventionnelle de trimballer le cercueil. Alors nous sommes maintenant à bord d'un de leurs fameux bateaux de pêche. C'est vraiment très instable. On manque à chaque fois de se renverser. On a d'ailleurs failli au départ. Et là, on est bientôt au milieu du lac. Alors si ça se renverse, on n'est pas dans la merde. Monte le niveau d'eau juste où on est. Voilà. Là, tu te penches à chute et t'es déjà mouillé. Et voilà, c'est... C'est vraiment bas. Très, très bas. Il n'y a pas de place à l'erreur. Alors nous sommes maintenant dans une fabrique, une joaillerie de pierres de jade. Nous sommes allés en Birmanie chercher les jades les plus pures de la planète pour les acheter au des prix des pierres toute confiance. Un peu comme si nous étions des refourgueurs de drogue et que nous étions allés en Colombie pour chercher la plus pure des cocaïnes. Ici, c'est la plus pure des jades. Nous pouvons d'ailleurs les observer en train de polir ces pierres afin d'obtenir le meilleur d'elles-mêmes. À quelques mètres seulement des mines de jade, les fameuses. Et nous sommes en train de démarcher celles-ci car ce sont les plus belles pierres que l'on puisse trouver en termes de jade dans le monde, mais aussi pour des prix défiant toute concurrence. On peut d'ailleurs voir ici le petit tas que je vais m'acheter avec
madan d'éléphant et 4 pierres pour 4 personnes de ma famille. Vous êtes celle qui compte le plus à mes yeux, je vous adore. Bisous bisous. Combo. 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 Stand-up comedian. Michael Jackson. Oh, you change, got to wait,
Aujourd'hui, nous sommes de retour à Mandalay et après être revenus de Inouji Lake, nous allons maintenant visiter Mingoon. Mais attention, on a un invité spécial. Notre guide. On va le faire avec Popo. Popo. On est maintenant parti pour à peu près 5 heures de visite en compagnie de notre cher Popo, guide local. Et ça va sans doute très très bien se passer. A tout à l'heure pour les conclusions. Hier, on a trouvé du fromage. Oui, du fromage. Et non pas juste des petites tranchounettes de cheddar ou de je ne sais quoi pour hamburger. Non, j'appelle pas ça fromage, j'appelle ça plastique. Non. On a trouvé du vrai fromage. À base de brie, de camembert, et de bleu roquefort. Oui. On a même trouvé du gouda. Mais le gouda était un peu cher, alors on l'a pas acheté. Mais quand même. Du coup, ni une ni deux, on a acheté ce fromage. On est allé se poser à notre repère planque favorite de Mandalay, le fameux bar Myanmar, au éponyme du nom de la bière, et du pays d'ailleurs. Pour tester notre fromage, et on a fait goûter le bleu roquefort au birman. Bah, il n'y en a pas un seul qui a pas craché. À chaque fois qu'ils ont goûté, c'était là genre... Ils ne sont pas faits pour ça. Par contre, ils ont aussi goûté le brie ou le camembert, parce qu'ils n'avaient ni le goût du brie ni le goût du camembert. C'est une sorte... Ça s'apparentait presque plus à un reblochon sans goût. Voilà. Bon bah là ils ont à peu près aimé. Un peu. Voilà, c'était tout pour hier. Plein de bisous. Oh putain, ici. Hier, j'ai été contraint et forcé d'acheter ces chaussures au style allemand. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que j'étais en train de me balader dans les méandres des rues de Mandalay et que mes tongs se sont cassés. Oui. Et il était tard. 20h. La plupart des magasins étaient fermés. J'ai donc dû arpenter pendant 15-20 minutes Mandalay, qui était quand même une grosse ville, pieds nus, avant de trouver un magasin. D'ailleurs, ça les a bien fait rire quand ils m'ont vu débarquer complètement pieds nus, les pieds dégueulasses d'ailleurs. Et du coup, je me suis acheté ces sandales. Alors oui, j'aurais pu m'acheter des tongs, mais il se trouve que justement, je voulais avoir une paire de sandales parce que c'est quand même plutôt pratique. T'as les ripatons à l'air, tu peux courir dans l'eau, tu ne les perdras pas vu que c'est bien attaché aux pieds. Ça te permet de faire une randonnée et d'avoir les doigts de pied à l'air. Et puis, merde quoi, il y a tellement de classe, tellement de style dans ces chaussures, mais regardez-moi ça. Je n'ai plus résisté.